Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, vous devez voir un peu de changement ici. J'ai notamment bougé beaucoup de choses derrière moi, sur ce mur-ci, sur le mur du fond. J'ai décidé de faire du rangement parce que j'ai vraiment besoin de rangement à l'atelier. Ça commençait à devenir compliqué. Ça me permet aussi de réorganiser un peu l'atelier et je libère beaucoup de place parce que je me suis rendu compte en réalisant la table et le banc que la place c'était quelque chose de précieux et qui me manquait un peu pour des gros projets. Et comme il y aura bientôt d'autres projets quand même assez conséquents, j'ai besoin de place. Ce ne sera pas les seuls rangements à l'atelier et je vous rassure tout de suite, on ne va pas faire que des vidéos sur l'aménagement à l'atelier. D'ailleurs, je ne ferai pas de vidéo sur comment j'ai réalisé ces caissons parce que ça reste des caissons, qu'il n'y a rien de très intéressant et en plus de ça, c'est de l'aggloméré de GSB et en GSB, la densité n'étant pas terrible, voilà. Le résultat, par exemple, avec la lamello que j'ai utilisée pour le faire, n'était pas terrible non plus. Là, ça ne bouge pas, simplement parce que j'ai ajouté des renforts ici, dessous, et que tout est fixé au mur et au sol. Comme ça, je suis sûr que ça ne bougera pas. Maintenant, aujourd'hui, on va s'attarder sur une partie, sur le fond, où on va réaliser des portes coulissantes. Allez, c'est parti. Alors, la première chose, c'est que je vous ai épargné le corroyage, c'est-à-dire le dégauchissage et le rabotage. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous la remets dans le petit i. Je ne trouvais pas ça très intéressant de vous le remontrer là. Si vous voulez voir comment le réaliser en sécurité, ce corroyage, c'est-à-dire le dégauchissage et le rabotage, vous avez tout dans cette vidéo-là. J'ai utilisé donc du châtaignier que j'avais en stock, qui n'était pas épais, qui l'est encore moins. Après le dégauchissage et le rabotage, je finis à 17-18 mm, je ne sais plus, d'épaisseur. Pour réaliser des portes coulissantes, il me faut quand même un encadrement assez épais parce que cet encadrement va accueillir des rainures pour que les portes puissent coulisser. On va faire des portes coulissantes entièrement en bois, pas de rails alu ni quoi que ce soit. Je vais vous montrer comment les réaliser entièrement en bois et comment faire pour que celles-ci coulissent parfaitement. Pour pas avoir à tout regarder au niveau du sens du fil, eh bien c'est simple, quand mon bois est sorti de la rabodégo, j'ai pris mon bois et je l'ai gardé dans le même sens. Comme ça, je sais que là, tout mon bois a le fil orienté dans le même sens. Et voilà, tous mes paquets sont prêts, maintenant j'ai plus qu'à coller tout ça. Thank you.
micro allumé, c'est mieux. Là, j'ai fait des collages donc par deux morceaux systématiquement. Vous venez de voir le collage juste avant. Par deux morceaux pour pouvoir avoir plus d'épaisseur. Parce que le bois que j'utilise a quelques défauts, mais ça, j'y reviendrai dans un petit vlog technique. Ça me permet d'avoir des sections plus épaisses. Nickel. Et tout ça, ça va être pour réaliser les portes, enfin les montants et les traverses des portes coulissantes. Montant, ça monte, traverse, c'est en travers. Ça m'a donné ça. En soi, l'assemblage est bien usiné, mais il y a tous ces petits arrachements, là, tous ces grands fils que je dois simplement repasser au ciseau. Bon, là, c'est pas fini, en fait. J'ai usiné mes languettes, là, qui vont me servir à guider, en fait, ma porte coulissante. Donc, pour la partie basse, une petite languette, ça suffit. C'est pour l'empêcher de sortir. Par contre, pour la partie haute, comme là, pour pouvoir rentrer la porte en haut et la poser ensuite dans la rainure du bas, je dois au moins doubler cette languette-là. La languette du bas fait 5-6 mm, à peine 6. On est plutôt sur 5-5,5, donc je vais essayer en faisant une languette de 12 mm de hauteur. Je ferai mon montage à blanc et je testerai ça dans les rainures une fois qu'elles seront usinées sur mon cadre. Et comme ça, je pourrai voir si ça va. Si ça va pas, eh bien, il faudra que je retouche cette hauteur-là. Mais normalement, ça devrait le faire.
Alors, c'est bien la première fois que je fais la mise à longueur des montants avant collage. Habituellement, j'estime au millimètre l'emplacement des traverses et je recoupe l'ensemble pour que tout soit parfaitement à fleur. Là, c'est absolument impossible parce que j'ai les languettes qui dépassent de chaque côté pour pouvoir coulisser dans les rainures. Donc j'espère que j'ai bien estimé la mise à longueur, vous allez voir juste après vous. Moi, il faut que j'attende encore un peu, mais j'espère que je me suis pas planté. Parce que sinon, je peux pas les rallonger. Je serai dans le caca. Je croise les doigts. Maintenant, je vais aller faire les rainures dans les cadres des portes coulissantes. Comme ça, je vais pouvoir tester et je pourrai voir si c'est bon ou pas. Alors, je remets mes serre-joints pour pouvoir positionner une porte sur une autre. Mais de la façon dont elles seront chevauchées. C'est-à-dire... Celle-ci sera sur le devant. Celle-ci sera sur l'arrière, comme ça. Et il faut un petit espace entre les deux. Pour savoir de combien j'espace mes deux rainures. Là, il faut 10 mm entre chaque, sachant qu'il faut un petit peu de jour quand même entre les deux. Entre les deux portes. On va dire qu'on va faire 12 mm maximum entre mes deux rainures. Bon alors, ma porte fonctionne. Juste. Je me suis trompé de 5 mm. J'ai les boules. Je me suis trompé de 5 mm dans la coupe des montants. C'est la première fois que je fais des portes coulissantes. J'ai tout vérifié deux fois. J'étais persuadé que ça allait coller. Le système fonctionne bien, mais... Là, quand je lève, j'ai mes 5 mm en bas de rab pour rentrer ma porte. Et c'est les 5 mm qui me manquent ici. Donc là, ma porte est quand même accrochée en haut, mais elle est accrochée que sur 1 mm. Ce qui n'est pas énorme. Et en plus de ça, elle est un peu décentrée. Enfin, décentrée. Là, j'ai pas de jour. Et là, j'ai un gros jour. Alors, pour équilibrer tout ça, eh bien, je pense que je vais recouper mes montants ici de 5 mm. Et je crois que ce sera le plus judicieux. C'est dommage, c'était très bien parti. Hein. Trop bien parti, peut-être. Ah là là. Après, ça coulisse bien, ça frotte un peu, mais en même temps, il n'y a pas encore la finition, c'est pas verni et c'est pas paraffiné. Donc, je trouve que c'est concluant pour le moment, sauf pour la hauteur. Alors, recouper les montants de 5 mm. Où sont mes montants? Mes montants derrière. Je vais recouper les montants sur la partie, peu importe, mais du même côté toujours, parce qu'il va falloir que je refasse mes mortaises à la domino qui ne seront plus assez profondes. Donc, on va reprendre ça. Et ensuite, je recommence mon montage à blanc pour voir si tout fonctionne correctement. Bon, je viens de remonter avec 5 mm de moins. J'espère que c'est bon. Je le vois là, il y en a un qui est en train de dire « Non, ça va pas aller, t'as oublié ça. J'espère pas. Hein. »
Ça passe, nickel. Alors, je me vois contraint de rajouter une petite baguette sur le bas de la porte. Enfin, sur le bas de chaque porte. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Je vous explique tout. Après, là, je vais passer un coup de finition sur les petites baguettes, mais avec du vernis en baume qui va sécher très vite. Ensuite, je mets la paraffine et je fais l'essai. Ben pour vous, on fait l'essai tout de suite. Alors je paraffine tout, hein. Toutes les surfaces qui seront en contact, donc au niveau des rainures en bas et en haut, au niveau du cadre et le dessous et le dessus de chaque porte, au niveau des petites languettes. Et ensuite, je peux essayer.
ça fonctionne nickel. Nickel, sachant qu'ici ce sera l'inverse. Et voilà. Alors, ici je vais avoir l'aspirateur, donc il va falloir que je perce avec l'alignement ici de l'aspiration. Donc je vais faire un trou à la scie cloche. Je vais pouvoir mettre mon aspirateur ici et le brancher dedans. Juste au niveau de la prise, eh bien, je vais passer une multiprise à l'intérieur ici et comme ça je pourrai y brancher cette machine et l'aspirateur. Quand j'allume la multiprise, ça lance les deux et comme ça, quand j'éteins, j'éteins les deux. Voilà. Ça devrait être pas trop mal. Et les portes fonctionnent super bien. Bon, je savais pas quoi faire au niveau des couleurs. Ça flash peut-être un peu. Bon. Je trouve que ça met un peu de couleur. Peut-être qu'on mettra d'autres touches par endroit ou peut-être pas. Je sais pas encore. Même si le jaune n'est pas ma couleur favorite, c'est pas trop mal. Et puis, c'est là où je pourrais coller le reste des stickers que je recevrai, parce que celui du haut risque de sauter. Je ne sais pas où je les mettrai. On verra. On verra. Bon, alors voilà, les portes sont terminées, mais j'ai fait une erreur au niveau de l'usinage. C'est mes premières portes coulissantes, et il y a quelque chose que je n'avais pas pris en compte. Je vous montre ça. En fait, j'ai réalisé des languettes sur le haut et le bas de la porte. Si je fais une coupe de profil, j'ai deux rainures comme ça. D'ailleurs, j'ai fait deux erreurs. Quand j'ai pointé ma toupie à cet endroit-là, j'aurais dû faire ma rainure comme ça. Et je l'ai décalé en fait. Au lieu de le décaler à gauche, je l'ai décalé à droite, mon outil. Donc en réglant la hauteur, je me suis trompé. Ce qui fait que j'ai un jour de 6 mm entre mes deux portes, alors que normalement j'aurais dû avoir 2 mm à peu près. C'est pas grave. Ça me laissera la place de mettre un joint si je veux. Sachant que sur le premier placard, je ne peux pas mettre de joint, ou alors il faudra que je fasse des petites ouvertures comme je voulais faire dans le panneau pour l'aspirateur, parce que l'aspirateur aspire au niveau de la machine, mais il rejette beaucoup d'air, donc il faut que cet air puisse sortir du meuble. Bref, j'ai réalisé la même chose, donc là on coupe comme ça, pour ne pas respecter la hauteur, et j'ai réalisé la même chose en bas. Voilà. Mes rainures, donc là, les rainures ont une hauteur de 13 mm. Les rainures ont une hauteur de 13 mm et sur mon panneau, d'ailleurs ici c'est faux, elle est beaucoup plus petite que ça. Sur mon panneau, c'est pareil. J'ai réalisé en haut une rainure de 12 mm. Comme ça, celle-ci peut rentrer entièrement dedans. Quand je veux enfiler la porte, je la monte au maximum. Ce qui me dégage un espace en bas pour pouvoir passer le bas de la porte avant de la reposer dans sa rainure. Et ici, j'ai 6 mm en bas de rainure, la moitié. Là où je me suis trompé, c'est que cette partie-là, en fait, quand je viens poser la porte, elle est posée à plat sur mon cadre et je me retrouve en haut avec un jour de 5 mm. C'est-à-dire, ici, là, entre le haut de ma porte et le haut du cadre ici, je me retrouve avec 5 mm de jour. Ici, j'ai les 5 mm représentés en rouge. Alors, c'est pas gênant, mais esthétiquement, c'est pas joli, je trouve, que cet espace vide ne soit pas équilibré entre le haut et le bas. Le bas de ma porte, comme ça, alors si je l'agrandis, ça donne ça, mon usinage. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une pièce rapportée sur le dessous, ici, de 2 mm. Alors, il me reste 4 mm dessous. Il me reste 4 mm ici, voilà.
ça donne plus ça. Et donc le fait d'avoir ajouté ces 2 mm ici, je me retrouve maintenant avec, quand je glisse ma porte à l'intérieur, que ce soit ici ou en bas, parce qu'en fait en bas avant ça venait carrément coller à la surface, j'avais pas de jour et donc trop en haut. Maintenant avec cette baguette, eh bien, je me retrouve avec un jour de 2 mm ici et de 3 mm en haut. C'est beaucoup plus équilibré à l'œil et c'est beaucoup plus joli. Au niveau frottement, il n'y en a pas plus de toute façon parce que c'est verni et que j'ai paraffiné. Et le fait de paraffiner, ça aide énormément à la glisse. Voilà, donc en fait, la languette du bas, j'aurais dû, pour bien faire, l'usiner en escalier. Voilà. J'aurais dû la faire directement comme ça, et moi je l'ai fait en mettant des pièces rapportées. C'est un tout petit peu plus de travail, mais esthétiquement ça vaut le coup, c'est quand même beaucoup plus joli. Au niveau des poignées, vous m'avez vu faire vite fait, et en fait, vu de dessus maintenant, mon cadre, je me retrouve avec ça sur mes montants, et ça me permet de passer mes doigts pour ouvrir gauche-droite, et ça évite de mettre... Des encoches en façade parce que je trouve ça plus discret le fait de les mettre sur le côté. Donc je me suis trompé là dans l'espacement comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui fait que j'ai un petit jour bon, entre les deux. C'est pas... Je ferai attention pour les prochaines. Ouais, bien voilà, en tout cas, même avec ma pièce rapportée, ça fonctionne super bien au niveau de la glisse. Les poignées sont suffisamment profondes pour pouvoir attraper les portes dans un sens ou dans l'autre. Et voilà, ça fera le job. Il y aura plein d'autres parties à faire sur ce meuble. Il y aura les tiroirs, il y aura... Je ne sais pas, dans le coup, au bout, si je fais des portes coulissantes, j'ai peut-être d'autres idées, mais on verra ça en temps et en heure. Pour le moment, ces deux sont déjà faites, c'est le principal. Je vais faire un gros coup de rangement là sur le dessus pour que ça fasse propre. Et j'ai des choses à faire avant de continuer les rangements d'atelier. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié la réalisation de ces portes coulissantes et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si vous aimez, de commenter, liker et partager. Tous les liens sont dans la description si vous souhaitez me soutenir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !